Oui, j'ai réalisé 3 courts-métrages, et puis là, je prépare mon premier long-métrage, qui n'est autre que l'adaptation d'Edmond, et qu'on va filmer en janvier et en février en République tchèque, pour des raisons principalement fiscales. Voilà, c'est donc tout. En fait, tu es donc, auteur, metteur en scène, comédien, réalisateur, producteur, oui. Dans le théâtre privé, dans le cinéma, dans la télévision. En fait, Alexis, tu je suis manager. Et manager, bien entendu. Voilà. Chef de troupe, tu réussis un peu tout. Pour l'instant, la vie est encore longue, j'espère. Mais non, ça se passe très bien. Mais après, ce qu'on voit, c'est la partie immergée de l'iceberg. Évidemment, on ne voit pas tous les spectacles qui n'ont jamais vu le jour, tous les films sur lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années, etc. Enfin bon, on va y revenir. On va y revenir parce que tant de succès, voilà. Ça mérite quand même qu'on réfléchisse à tous ces échecs. Est-ce qu'il y a son lot d'échecs, voilà, qu'on ne connaît pas. C'était une des discussions qu'on a eues aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se passe bien. Voilà. On voit ça. Et c'est presque agaçant d'ailleurs de voir toute cette réussite. C'est vrai qu'au bout de 5 ans, finalement, vous êtes à la tête d'une petite entreprise et qui, comme dirait Bachung, ne connaît pas la crise. Pour vous, ça se passe bien. Donc c'est ça qu'on voudrait explorer ici, parce que vous avez autour de vous des hommes et des femmes d'entreprise qui partagent tous la même conviction, c'est qu'au cœur de toute réussite ou de toute performance, il y a l'homme ou la femme, en tout cas la chose humaine. Et c'est ça qu'on va explorer avec vous en faisant ce petit pas de côté, en allant faire un tour dans votre univers, dans le théâtre, un peu magique, moi je trouve, un peu merveilleux. Pour essayer justement, comme le disait Fanny, de nous inspirer de cette réussite et de voir le parallèle que l'on peut faire. Alors, on va explorer les différentes facettes, vos différentes facettes, celle de l'auteur, le créateur, celle du chef d'entreprise et celle du comédien. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, c'est plus tout à fait de votre actualité. Mais on va aborder ces différents sujets-là avec vous, dans l'heure qui vient, les 40 minutes qui viennent. On va essayer de garder du temps pour que vous puissiez poser des questions. Donc, n'hésitez pas sur la petite application SIM, mettez des questions et puis on prendra le temps de vous faire réagir, Alexis. Encore une fois, merci d'être près de nous. C'est un vrai honneur pour moi. Je suis encore une fois très impressionné. Alors, avant de rentrer dans les différentes facettes, on voudrait te poser une question sur cette réussite insolente, comme le dit Bertrand, par une question qui l'est peut-être pas moins. On ne sait pas. C'est un autre musicien qui le dit, c'est Hector Berlioz. La chance d'avoir du talent ne suffit pas, il faut encore le talent d'avoir de la chance. Alexis, tu as de la chance ou du talent ? Je ne sais pas si la chance, c'est vraiment la donnée principale. Moi, je préfère la citation de Chaplin qui dit « c'est 1% de talent et 99% de sueur ». C'est sûr que c'est surtout du travail. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ben on voit les spectacles qui ont marché, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'effectivement, moi, j'écris depuis mon adolescence, je monte des spectacles depuis que j'ai 20 ans, et puis que j'en ai tracté des centaines de spectateurs dans les rues d'Avignon, qu'on a eu des salles à moitié pleines, et puis qu'à un moment, quelque chose se fait, le déclic s'enclenche, et puis qu'on apprend de nos échecs, et puis qu'on y retourne, on y retourne, on y retourne. Mais des raisons d'arrêter, il y en a 10 000, quoi. C'est-à-dire que des moments de doute et d'angoisse, c'est quelque chose de permanent, en fait. Donc on apprend à vivre avec, et puis on avance, et puis on essaie d'apprendre de ses erreurs, et puis de continuer à avancer, quoi. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment de la chance, parce qu'on a eu de la chance, on a eu de la malchance. J'en connais, je pourrais raconter 10 000 anecdotes, mais voilà, de perdre un théâtre où on était censé jouer, de perdre un acteur, d'avoir des soucis de planning, de santé, de financement, de budget, enfin des choses un peu inhérentes à tout type de secteur de travail, hein. Et puis voilà, et puis en fait, c'est quand on est confronté à ce genre de situation, évidemment aussi des questions humaines. Mais on va y revenir tout à l'heure. Je pense que c'est le pivot d'une bonne équipe. Hein. C'est le choix c'est le casting en fait. Et puis voilà, c'est comment est-ce qu'on réagit face à ce genre d'obstacles, de challenges, de difficultés. Et ben, soit on baisse les bras et on se dit bon allez j'arrête, ça me prend la tête. Soit on encaisse et puis on essaie de transformer cet obstacle en quelque chose de positif. En tout cas à vivre avec et à avancer. Parce que ce qui est sûr, c'est que si une pièce ne voit pas le jour, personne ne viendra nous dire elle est super cette pièce, parce que si on s'arrête là, personne ne le saura. On peut être un génie toute sa vie en restant dans sa chambre, mais si à un moment on n'écrit pas, si à un moment on va pas au bout de son projet, bah on n'aura jamais l'occasion de savoir si c'était vrai ou pas, quoi. Si on se confronte pas à un public, on ne le saura jamais, quoi. Donc voilà, je pense que le plus difficile, c'est d'aller au bout de son projet, c'est de mener son projet à bout, c'est qu'il voit le jour.
Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que tu as un peu trouvé la formule magique du théâtre privé. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Toutes tes pièces marchent, toutes tes pièces sont encore à l'affiche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu les as créées et montées, elles sont toujours à l'affiche. N'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez aller les voir à Paris. Elles sont toutes encore là. C'est quoi la recette ? C'est quoi la formule magique ? Bon, je pense que déjà, il n'y a pas de formule. Déjà, d'une part, il n'y a évidemment pas que mes pièces qui marchent. Hein. Sinon, voilà, depuis longtemps, il y a eu plein de pièces qui ont marché, plein de choses qui ont marché, d'autres qui ne marchent pas. Le théâtre, en général, c'est quelque chose où c'est... On ne fait pas du théâtre pour devenir millionnaire. Ce n'est vraiment pas la raison principale d'un engagement théâtral. Parce qu'il y a de fortes chances de perdre sa chemise. D'ailleurs, tous les directeurs de salle, en général, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et c'est un peu leur marotte. Hein, ce n'est pas quelque chose qui génère des profits, à moins de voir ça comme un grand spectacle, etc. Mais concrètement, le théâtre, ce n'est pas quelque chose qui génère beaucoup de profits. Donc déjà, quand on se lance... C'est quelque chose, Fanny. J'en sais quelque chose. Voilà, mais tout le monde en sait quelque chose. Hein. Un théâtre, c'est très difficile comme machine. C'est pas quelque chose. C'est pas un modèle commercial. Quoi. En revanche, on se lance dans le théâtre parce qu'on a envie de raconter des choses. On a envie de raconter des histoires. On a envie de transmettre des histoires qu'on a en nous. Et moi, quand j'ai écrit Le Porteur d'Histoire, c'est que j'avais juste envie de raconter une histoire qui m'habitait depuis longtemps. Mais ça a été une success story surprise parce qu'on a démarré, on devait jouer trois fois dans un festival. On a monté le spectacle avec 3 francs 6 sous. Et puis, en fait, il se trouve que ça s'est bien passé. Et donc, on a rejoué dans une petite salle à Avignon. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, on a rejoué l'année d'après dans une salle un peu plus grande à Avignon. Et puis ça s'est bien passé, donc on a joué à Paris, on a commencé à Paris en se disant « bon, bah, on va voir comment ça va se passer ». Et puis finalement, on a été programmé dans un théâtre privé, le studio des Champs-Élysées. On devait rester 60 dates, finalement on est resté 3 ans là-bas, donc on a fait 700 représentations à guichet fermé, et puis on a continué. Et il y a des raisons à ça, il y a des raisons qui ont permis à ce modèle, puisque c'est une sorte de modèle économique, hein, mais spectacle un peu particulière, dont la principale caractéristique, c'est de ne pas avoir de tête d'affiche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteur drainant un public, et dans le théâtre privé, on va dire que c'est en général le principal moteur d'un succès d'un spectacle dans le théâtre privé, c'est quand il y a Richard Berry, Daniel Auteuil, on va voir en fait une tête d'affiche. Or, Le Porteur d'Histoire, puis Le Cercle, puis Edmond, puis Intramuros, n'a pas cette caractéristique-là, n'a pas de tête d'affiche. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour drainer un public pour voir un spectacle qui n'a pas de tête d'affiche ? Et ben, en fait, on ne peut que se reposer sur quelque chose que j'ai appris à Avignon, dans le off, dans de longues années de festival, c'est-à-dire le bouche à oreille. C'est-à-dire la qualité d'un spectacle, c'est-à-dire l'histoire. Il faut que l'histoire soit suffisamment originale pour que, en sortant, que les acteurs soient suffisamment bons, que la musique, que tout ça concorde à faire qu'en sortant, les gens, les spectateurs aient envie non seulement d'y retourner, mais de convaincre leurs amis d'y aller eux aussi. Donc c'est la seule solution. Il faut déjà faire un bon spectacle. C'est-à-dire que la base de tout, et ça c'est un truc à Avignon Off, c'est si on a un bon spectacle, on a quand même plus de chances d'arriver à remplir notre salle. Puisque je parle d'Avignon parce que c'est un festival assez républicain, c'est-à-dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité, les affiches sont du même format, on doit les accrocher avec des ficelles, donc que l'on soit une star ou que l'on soit une jeune compagnie, en fait, on a à peu près les mêmes armes. Hein, et c'est surtout sur le bouche à oreille que la différence se fait. Donc Le Porteur d'Histoire, l'aberration de ce spectacle, c'est que, et comment ça a réussi à devenir un succès, eh ben, c'est que, parce que c'était ni une comédie, ni c'était un truc un peu à part, il n'y avait pas de décor, donc c'est très léger, il y a 5 acteurs qui sont des très bons acteurs. Et en fait, là où ça a été un peu intelligent, c'est qu'on a laissé le temps au succès de se faire. C'est-à-dire que ça, avant d'arriver dans une salle parisienne, le spectacle a joué pendant 2 ans et demi un peu partout, et donc le bouche à oreille s'est fait. Et puis quand on a démarré à Paris, eh ben, il y avait eu déjà une sorte de début de bouche à oreille, et puis ça a rempli. Mais ça a rempli une salle qui est le studio des Champs-Élysées, qui est une salle relativement petite, c'est-à-dire que c'est une salle de 232 places, et dans un monde du théâtre privé,
ça n'a rien à voir avec des bateaux comme le Théâtre de Paris, comme le Palais Royal, comme la Porte Saint-Martin, qui sont des bateaux de 1000 places, 1200 places, qu'il est complètement impossible de remplir sans avoir des têtes d'affiche, sans avoir un grand renfort de quelque chose. Là, comme c'était une salle de 230 places, eh ben, on a réussi à faire cet effet de goulot qui fait que les premières représentations étaient pleines et que en fait, le bouche à oreille s'est en suivi et qu'on a pu tenir. La deuxième chose qui est une caractéristique de ces spectacles, c'est qu'ils durent longtemps. Et comment ils font pour durer longtemps, eh ben, ils durent longtemps dans le sens où on les joue longtemps. Oui, on les joue longtemps. Ouais. Et comment est-ce que c'est possible, eh ben, justement aussi parce qu'il n'y a pas de tête d'affiche. C'est-à-dire que puisqu'on ne vient pas voir un acteur en particulier, qu'on vient voir le spectacle, eh ben, il est possible d'avoir une nouvelle équipe qui, au bout d'un an, en fait, va remplacer la suivante, enfin, on va dire alterner avec la suivante, et que les acteurs vont se croiser petit à petit, et que le spectacle va pouvoir continuer à se jouer pendant une saison, deux saisons, trois saisons. Là, le porteur d'histoire, on doit en être à 5 ans à Paris, on va dire, non-stop, et on approche à peu près des 1500 représentations. Donc il y a eu 5 équipes, aujourd'hui, il y a à peu près 5 ou 6 équipes qui se croisent perpétuellement, et le spectacle joue à Paris et aussi en tournée, puisque sa légèreté lui permet aussi de partir en tournée, parce qu'il n'y a quasiment pas de décor, et d'aller vraiment, non seulement partout en France, mais aussi dans des dates un peu plus exotiques, comme Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, le Liban, le Maroc, l'Algérie, enfin voilà, des dates assez chouettes à faire. Et donc ça, c'est la deuxième caractéristique de cette formule, entre guillemets. Quand on a fait le porteur d'histoire, donc, moi personnellement, dans ma tête, je ne me disais pas « Ah tiens, j'ai trouvé une super formule économique ». Je me disais juste, je vais essayer de faire un spectacle qui va se jouer 3 fois. Si ça se joue un peu plus, tant mieux. Bon, il se trouve que quand ça a commencé à marcher, je me suis dit, bon, bah, on va en faire un deuxième maintenant, un peu sur ces bases, c'est-à-dire sans tête d'affiche, etc. Et on va viser un peu plus haut, c'est-à-dire un théâtre de 350 places, qui était la pépinière. Et c'est là où on a créé le Cercle des Illusionnistes. Donc avec plus de moyens, puisque le Cercle des Illusionnistes, il y avait de la vidéo, des décors, il y avait quand même quelque chose de plus... innovant. Oui, de plus innovant, visuellement. Innovation dans votre théâtre. Voilà, c'était, enfin, en tout cas, dans ce spectacle-là. Et on a fait le pari, on va dire, de repartir avec 6 comédiens inconnus et de le lancer à la pépinière. Le public a suivi, donc on avait cette base de public du porteur d'histoire qui a suivi, et puis il y a eu aussi un autre public, évidemment. Et le spectacle a eu le succès qu'il a eu et s'est terminé avec les Molières qui ont achevé, on va dire, de consacrer un peu ce modèle, hein, cette notion et ce côté théâtre de troupe, en fait, qui est quelque chose de pas nouveau, hein, mais qu'on avait peut-être un peu oublié, en tout cas en ce moment. Et puis de là, eh ben, y a eu Edmond, et là ça a été un peu pareil, un autre pari. On s'est dit, bon, bah, et si on faisait un grand spectacle avec un budget conséquent, avec 12 acteurs, et qu'on appliquait la même méthode, c'est-à-dire pas de tête d'affiche, et cette fois-ci dans une salle comme le Palais Royal, qui fait 700 places, donc c'est pas rien. Et puis on a eu la chance que ça fonctionne, quoi. Donc du coup, ça a un peu entériné ce système ce modèle économique, cette formule. Mais cette formule ne repose principalement que sur une chose, c'est l'histoire. C'est-à-dire que tout est au service de l'histoire. Si l'histoire est suffisamment forte, alors le reste suit. Les comédiens sont très bons, la musique, etc. Mais tout le monde est au service de cette histoire. Après, bon, on peut parler artistiquement, détailler un peu plus ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup les acteurs. Et comme je suis moi-même acteur, j'aime pas m'ennuyer sur un plateau. Donc les acteurs, je veux qu'ils soient tout le temps en train de jouer. Donc que ce soit dans Le Porteur, dans Le Cercle, ou dans Edmond, dans Intramuros, ils sont presque tout le temps au plateau, et quand ils sortent de scène, ils re-rentrent pour jouer un autre rôle. Donc si j'ai 5 acteurs, vraiment, je vais avoir 30 rôles. Si j'en ai 12, je vais avoir 40 rôles. Enfin, et ils vont être constamment employés. Et dans Edmond, ils sont employés non seulement pour jouer en permanence, mais aussi pour déplacer des décors, pour dans Le Cercle des Illusionnistes, comme c'était quelque chose sur la magie, les changements, etc., je voulais qu'ils soient aussi employés pour enlever les costumes de leurs partenaires, avec des costumes truqués, avec des tours de magie, etc. Donc ces comédiens sont employés à plein, et on joue sur un moteur essentiel de l'envie du comédien de jouer, parce qu'un comédien, en fait, tout ce qu'il veut, c'est jouer. Hein, si on lui donne à manger, et ben, il viendra. Et donc, à partir de ce moment-là, il accepte de donner, et puis d'avoir envie de rester dans un spectacle qui lui rend bien, en fait, puisqu'évidemment, ils sont mis en valeur, puisqu'ils sont là pendant 2 heures au service de cette histoire. 2 heures au service de cette histoire, et potentiellement pendant 1 ou 2 ans, exactement. C'est-à-dire plusieurs centaines de représentations. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'ils s'ennuient.
Alors, il y a eu plein de choses qui ont été dites, là. On a parlé d'innovation. L'innovation, c'est un thème majeur pour nous, évidemment. Donc, moi, j'ai commencé par Edmond. Donc, je me suis pris en pleine face au Palais Royal, effectivement, tout le processus préalable. Et ça a été un vrai choc pour moi. Je n'avais jamais vu ça comme un spectacle pareil au théâtre. Donc, ça a été pour moi une vraie révélation. Donc, ensuite, c'est ça qui a fait que je suis allé voir les autres. Mais comment est-ce que vous, cette part d'innovation, là, encore une fois, qui se règle dans tout un tas de détails également, parce qu'il y a beaucoup, un peu de technologie que vous utilisez également, comment vous avez fini par en arriver là ? Déjà, moi, modestement, je ne pense pas inventer quoi que ce soit. Je pique des choses à droite, à gauche, et puis je les mets au service d'une histoire. C'est-à-dire que tout ce qui est... il y a plusieurs choses. Il y a l'histoire et puis il y a la mise en scène. En termes de mise en scène, moi, j'ai été influencé par plein de grands metteurs en scène. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont emmené au théâtre assez jeune. J'étais parisien. J'ai vu les Mnouchkine, les Brooke, Simon McBurney, Wajdi Mouamad, enfin plein de grands qui m'ont vraiment appris plein de trucs et à qui j'ai piqué à chacun des petites choses à droite à gauche en essayant de les recycler, quoi, puisque c'est ce que font tous les créatifs. Ils se nourrissent de ce qu'ils ont vu. Et je parle de metteurs en scène, mais je pourrais parler aussi des BD que j'ai lus, des romans que j'ai lus, des films que j'ai vus, des séries que j'ai regardées. Il y a tout un univers, et je trouve aussi un petit peu de l'univers du cinéma dans le spectacle. Oui, c'est très... En fait, moi, mon credo, c'est que je ne peux pas faire de théâtre, enfin créer du théâtre, sans tenir compte de la réalité de la série et du cinéma aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux pas continuer à faire du théâtre en me disant ça n'existe pas les séries et ça n'existe pas ce rythme cinématographique. Donc, voilà, dans mes spectacles, il y a de la musique qui soutient l'émotion comme dans un film. Hein, il y a 50 minutes de musique. Et puis, il va y avoir aussi un rythme très, très soutenu, hein, puisque c'est le rythme auquel on est habitué aujourd'hui en regardant la télé, en regardant des séries, en regardant des pubs. Donc voilà, c'est un peu mes marques de fabrique sur les quatre spectacles dont on vient de parler. Et pourtant, c'est du théâtre que on pourrait appeler classique, enfin, comment dire, du théâtre de boulevard populaire, comme on le faisait avant, avec un rythme qui donne cette modernité, du coup. Ça a le rythme du théâtre de boulevard. Après, ce que ça raconte, je pense qu'on est plus dans quelque chose dans une sorte de théâtre d'aventure, peut-être, on pourrait dire, parce qu'il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent, et puis que moi, je joue avec les temporalités. Donc, je pense qu'il y a... En fait, c'est une sorte de mélange. L'originalité naît du mélange. Hein, moi, j'ai une double culture, ma mère est anglaise, donc j'ai grandi avec plusieurs façons de voir les choses. Et je pense que les gens qui ont plusieurs cultures, plusieurs origines, en fait, ils sont ouverts au mélange. Et donc, je pense que mes pièces sont un mélange entre des pièces de théâtre privé avec une réalité économique et donc qui mène à faire durer la pièce longtemps, une économie de moyens, une économie de ceci, de cela, et puis, mais qui raconte une histoire honnête, parce que la logique du théâtre privé, c'est très simple, c'est que s'il y a des gens dans la salle, bah, la pièce continue, s'il n'y a personne, bah, la pièce s'arrête. Et une esthétique de théâtre subventionné que j'ai pu voir voilà, dans ma jeunesse, de plein de metteurs en scène à qui j'ai piqué des trucs. Et cette espèce de petit mélange fait que ça fait des pièces un peu bah, originales. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelque chose... C'est surtout tenir compte de tout ce qui s'est fait et tout ce qui se fait, et puis faire du neuf avec du vieux, et mais imprimer sa patte personnelle. Quoi. Ça, on peut pas... Une fois qu'on a vu un de vos spectacles, c'est sûr qu'il y a une patte qui est très personnelle, et qui où je trouve, tranche énormément avec tous les autres spectacles que j'ai pu voir jusqu'à présent. Alors j'ai une autre anecdote à vous proposer, c'est que après donc, avoir eu le choc d'Edmond, mon deuxième choc, ça a été cet été. J'étais à Vaison-la-Romaine, et il se trouve qu'il y avait le porteur d'histoire qui passait. J'étais avec mes enfants, j'ai quatre enfants, de 21 à 11 ans. J'ai emmené mes enfants ont adoré. Mais c'est pas évident, forcément, d'emmener des enfants, surtout que c'est... enfin, je préfère le dire aussi, c'est assez exigeant, vos histoires c'est sont très assez dense, exigeantes. Ouais. 11 ans, il a dû quand même bien s'accrocher. Quand même. Alors, il n'a pas tout compris, il a fallu que justement je fasse un petit peu de pédagogie derrière, parce que c'est quand même un petit peu difficile. Néanmoins, il y a un sujet qui, nous, en entreprise, nous intéresse vivement, c'est ces nouvelles générations dont on se dit comment ça fonctionne, c'est quoi leur levier, c'est quoi leur... Là, moi, j'étais surpris de voir à Vaison-la-Romaine un spectacle, des spectateurs jeunes, alors c'était... Au théâtre, c'est plutôt un peu des temps grises. Là, il y avait beaucoup de jeunes. Et moi, ma fille qui a 21 ans, elle a adoré. Donc, vous faites un carton plein chez les copains.
Michalik, bravo. Ouais, mais je pense que c'est aussi dû au... Ça rejoint ce que je disais sur le fait de tenir compte de ce qui se fait aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire de ne pas se dire... Moi, je suis fan de séries, de films, de ceci, de cela, et j'essaie de transcrire l'intérêt que j'ai dans ces histoires. Mon but, c'est de stimuler le spectateur et de faire en sorte qu'il ne s'ennuie jamais. Le diable, c'est l'ennui, disait Peter Brook. Et il avait raison. Moi, aujourd'hui, quand on regarde une série, on a tellement de contenu qu'on est happé. On ne peut pas se dire le spectateur va venir à nous. On doit aller le chercher, quoi. On doit lui proposer quelque chose qui est tellement fort que... Bah, qui va rester, quoi. Et le théâtre, c'est pareil, en fait. On doit aller chercher le spectateur et le happer dès le début et puis le tenir pendant 2 heures, quoi. Voilà. Alors, si on en a déjà un peu parlé, mais si on parle de ta facette manager, en fait, aujourd'hui, tu es un chef de troupe. Tu es donc manager, tu es aussi chef d'entreprise, producteur, quelque part un businessman. On a dit, les spectacles Michalik, on les reconnaît. Il y a peut-être une marque Michalik. C'est quoi l'entreprise Michalik? Comment ça fonctionne? Et ensuite, comment est-ce que toi, tu réussis à concilier tout ça et à gérer le tout? Bon, déjà, si tant est qu'on peut parler de ça, parce que c'est quand même du théâtre, etc. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu la volonté de construire. Hein, quand on est chef d'entreprise, et ben on a un business plan et puis on crée quelque chose et le but c'est de grandir ou le but c'est de devenir quelque chose. Moi c'était pas le but du tout, c'est spectacle après spectacle en fait, je me réinvente et quand je lâche un spectacle, je passe au suivant, ben en fait c'est une nouvelle entreprise. C'est même pas une entreprise, c'est si on veut, ouais, mais à chaque fois c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, il se trouve que c'est le succès du premier, puis du deuxième, puis du troisième, qui fait que le premier spectacle ne s'est pas arrêté. Et donc, plutôt que d'avoir fait un spectacle, puis un suivant, puis machin, en fait, ça s'agglutine. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui jouent et qui gravitent autour de ça. Et ça devient effectivement quelque chose de conséquent, en tout cas dans le théâtre, avec 60 ou 70 comédiens qui jouent dans les spectacles en alternance, et puis des régisseurs, et puis le personnel du théâtre, enfin tout ça. Donc, ça devient effectivement une sorte d'entreprise. En tout, il y a combien de personnes? Je sais pas, ça dépend comment on les compte, entre les ramifications, tout ça, mais en tout cas les acteurs, voilà, je vous dis, il doit y avoir entre 60 et 70 comédiens qui jouent les pièces, et puis après il y a une dizaine de régisseurs, et puis le personnel du théâtre, c'est encore autre chose. Comment ça marche? Déjà moi j'essaye de me réserver pour les décisions artistiques et créatives. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis entouré, je ne suis pas tout seul dans cette histoire. Il y a des gens, il y a des producteurs. Pour chaque spectacle, il y a des producteurs différents, mais il y a toujours deux personnes qui sont mes associés avec qui je travaille sur chacun des spectacles. Après, on s'associe avec d'autres gens. En général, quand on crée un spectacle, c'est dans un théâtre, et donc c'est le théâtre qui est également producteur de ce spectacle. Donc, du coup, évidemment, j'ai des référents, des amis qui sont aussi mes producteurs et qui se chargent de toute la partie... RH, on va dire, c'est-à-dire la partie négociation, la partie discussion d'argent, contrat, etc., avec toutes les équipes qui répercutent. Tout ça, c'est pas moi qui gère. Moi, je me concentre sur ce qui est peut-être 50% du travail, c'est-à-dire le casting, c'est-à-dire choisir les personnes qui vont jouer dedans et travailler avec qui je vais travailler. Non seulement les acteurs, mais la scénographe, la personne qui va me faire mes décors, ma costumière, mon créateur lumière, mon vidéaste, tous ceux qui touchent à l'artistique, mon compositeur, tout ça c'est moi qui vais aller les choisir. Donc je vais m'entourer de personnes qui vont former une équipe que je vais effectivement diriger, et à chaque fois ce sera une équipe différente pour chaque spectacle. Et puis même un même spectacle pourra avoir une deuxième équipe qui arrive, puis une troisième. Donc l'un des trucs les plus importants, c'est ce choix-là. Passer, évidemment, l'écriture en elle-même, qui est quelque chose de plutôt solitaire, la création, juste passer cette étape-là. L'étape la plus importante, c'est ce choix-là. Parce que c'est ce qui va déterminer à la fois la qualité de l'équipe et à la fois la durée de vie de cette équipe aussi. Et c'est quoi les critères de recrutement? Tu me l'ôtes de la bouche. Bon, alors, il y a des critères artistiques, déjà, évidemment. Hein, c'est-à-dire que quand je vais choisir un acteur, en général, c'est soit je l'aurais déjà vu, soit j'aurais déjà travaillé avec lui, soit j'aurais déjà entendu parler de lui, artistiquement, déjà. Et puis ensuite, il y a les critères humains.
Moi, j'ai la chance aujourd'hui de faire des spectacles qui durent longtemps, donc c'est-à-dire qui arrivent à durer plusieurs mois, plusieurs années. Donc, je vais chercher des personnes qui seront capables de tenir ce rythme-là sans se départir de leur bonne humeur, on va dire. Et c'est pas facile parce que quand on joue, on donne une partie de soi. Donc, quand on joue 6 fois par semaine pendant 2 ans, c'est dur. C'est quelque chose où tous les soirs, des fois, on n'a pas très envie d'y aller. Et ben, on y va quand même. Et voilà. Donc, du coup, on va dire qu'à talent égal, je prendrai toujours quelqu'un qui est plus disponible et plus et que je sais être plus simple dans le travail que quelqu'un qui est peut-être qui a peut-être plus tourné ou plus fait de choses, mais qui par contre va avoir des exigences ou va avoir la fameuse tête d'affiche peut-être. Ouais, voilà. Ou qui va être moins disponible, parce que la disponibilité c'est un critère essentiel. Donc voilà. Donc soit c'est des gens avec que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé, soit c'est des gens sur qui je vais me renseigner. Je vais demander à d'autres personnes qui ont déjà bossé avec eux, qui vont me dire alors il est comment dans le travail. Puis que s'ils me disent ah là il est un peu chiant, bon bah d'accord, ok. Et puis s'ils me disent ah c'est super, tu vas voir, il est au taquet. Bon ben voilà, et c'est comme ça que se forme une équipe, quoi. Une équipe fidèle, ça tourne beaucoup. Est-ce qu'il y a un turnover, ce qu'on appelle le turnover dans l'entreprise, Michalik? Oui. Ou est-ce que Oui, bah déjà dans le théâtre, oui, parce que c'est pas quand on prend quelqu'un, c'est jamais en CDI, quoi. C'est le spectacle, on ne sait pas combien de temps il va durer, mais on peut pas dire à quelqu'un, je t'embauche pour 10 ans. Hein. C'est pour une saison, c'est déjà beaucoup. En général, dans le théâtre, c'est moins. Hein. Donc une saison c'est beaucoup, 2 saisons c'est vraiment, 3 saisons ça commence vraiment à être. Donc il y a toujours un turnover, mais les acteurs que j'ai pris sur une pièce au bout de 2-3 ans, peut-être que je vais leur dire, bah, j'en remonte une, viens jouer la nouvelle. Donc je récompense évidemment les gens qui ont eu la plus, qui ont été fidèles bien sûr, mais qui ont non seulement fait leur travail, mais qui ont été en plus bienveillants sur l'équipe. Parce que le casting, c'est aussi ça, c'est choisir les gens qui non seulement vont faire ce qu'on leur demande, arriver à l'heure, être disponible, être content de faire ce travail, mais en plus de ça, vont avoir une fonction de bienveillante au sein d'un groupe que moi, qui ne serai pas tout le temps là, je ne peux pas assurer en permanence. Donc ces personnes-là, c'est les perles rares, quoi. Et c'est celles qui, évidemment, bah, avec qui je vais faire 2, 3, 4, 5 spectacles que je connais depuis longtemps parfois et qui ne faillissent pas. C'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes. Et donc, évidemment, que ces gens-là, on a envie de les avoir avec soi en permanence, puisqu'en plus, ça encourage d'autres personnes à avoir cette attitude-là. Donc, c'est un peu votre garde rapprochée. C'est un peu ceux qui ont, ce qu'on appelle dans l'entreprise, les bonnes pratiques. Et oui. Qui vont pouvoir être exemplaires vis-à-vis du restant de la troupe. En exactement, fait, exactement. Évidemment que cette exemplarité, c'est quelque chose que moi, en premier, je dois montrer. Hein, bon, aujourd'hui, c'est plus facile, mais les premiers spectacles que j'ai montés, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Donc, il faut convaincre des gens de vous suivre sur une entreprise sur laquelle, eux, ils ne vont rien gagner et dont ils ne sont absolument pas assurés du résultat final, puisque je n'ai jamais prouvé quoi que ce soit. Donc, il fallait être particulièrement diplomate et particulièrement exemplaire également, arriver le premier, partir le dernier, porter les décors, enfin voilà, ne donner aucune prise à la moindre réclamation. Par contre, voilà, que le contrat soit clair, voilà pourquoi ce que je vous propose de venir jouer, je sais pas, 5 fois à la fin de l'année, par contre, voilà, moi je travaillerai plus que tout le monde, etc. Et puis bon, de spectacle en spectacle, évidemment, j'ai moins de choses à prouver. Mais n'empêche que cette exemplarité, elle est nécessaire, quoi. C'était l'impulsion initiale, en tout cas, c'est comme ça que vous avez pu lancer les choses, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais, c'est des trésors de diplomatie, parce qu'en plus, évidemment, que tout le monde remet en question chaque décision qu'on peut avoir. Donc c'est arrivé, les premiers spectacles, on est obligé de tout expliquer. Aujourd'hui, bon, voilà, j'ai une autorité qui n'a pas besoin d'être justifiée. Donc je peux dire, écoute, va à gauche, fais ce que je te demande. Justement, ça c'était une de mes questions. Dans un jeu d'acteurs, quelle est la marge de manœuvre d'un de vos acteurs par rapport au spectacle que vous fabriquez, que vous avez conçu jusqu'à ses moindres détails, et quelle est la marge d'autonomie au fond de l'acteur? Ça c'est un sujet qui est précieux pour nous, l'autonomie que vous laissez à vos acteurs et à vos équipes au sens large lorsqu'ils sont en train de déployer au fond les spectacles que vous avez conçus. Je pense aux porteurs d'histoire qui remonte à quelques temps maintenant. Bah c'est assez précis, hein. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui font qu'ils peuvent pas trop dériver.
Le texte est très précis, le rythme est très précis, il y a de la musique, il y a des tops musicaux, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que cette scène doit durer 3 minutes parce que la musique, bah, ils le savent bien, hein, s'ils sont à la bourre, ils l'entendent. Donc il y a pas mal de garde-fous qui font que ça peut pas trop dériver non plus. Mais c'est humain, en fait, quand on joue tous les soirs, eh ben, on le joue un peu plus comme si, et puis en fait, au fur et à mesure des représentations, ça dérive de plus en plus. Donc parfois, bah, je vais revenir et puis je vais resserrer les boulons, quoi, redire voilà, bon là... ton personnage, excuse-moi, mais ça, c'est de la farce, quoi. On n'y croit plus du tout. C'est plus, il manque de sincérité. Redescends un peu là-dessus, remonte un peu là-dessus. Là, t'as un temps, tu laisses un temps de 10 secondes là, avant de dire ta réplique. On s'ennuie, resserre, enfin, des choses de mise en scène habituelle, quoi. Évidemment, quand je suis pas là, bah, ils ont une liberté un peu plus grande. Hein. Il y a des trucs que je me doute qu'ils font quand j'ai le dos tourné. Hein, mais puis quand je reviens, je resserre un peu. Puis j'ai des assistants pour chaque spectacle qui parfois reviennent, qui vont aussi donner des petites notes, quoi. Mais après, je ne suis pas du genre à être là tous les soirs. Quoi. Et tu fais quoi? Tu arrives à l'improviste? Ça dépend. Des fois, je viens, je leur dis, voilà, je suis là ce soir. Des fois, je passe dans le coin par hasard et puis je les surprends. Mais bon, franchement, ça, c'est tellement calé qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mmh. Et puis, ils sont nombreux sur scène et ils sont tous interdépendants les uns des autres. Vraiment, les mises en scène sont très imbriquées. Donc, ils portent les décors ensemble, ils se changent ensemble, ils sont sur des tops très précis. S'il y en a un qui commence à déconner, les autres vont lui dire, dis donc, tu me mets dans la merde, là. Donc, ça restera toujours quelque chose de cohérent par rapport à ce que j'ai créé, quoi. Enfin, pas les mises en scène, quoi. C'est Guillaume Santou, dans Edmond, qui joue Edmond d'ailleurs, qui dit de toi que tu es quelqu'un de rassurant, un manager rassurant. Enfin, il n'a peut-être pas utilisé le mot manager, je ne suis pas sûre. C'est quoi, à ton avis, il dit ça pourquoi? C'est parce que je sais ce que je veux, en fait. Quelqu'un de rassurant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a confiance et qui ne stresse pas tout le monde. Parce qu'en fait, en réalité, on stresse les gens quand on exporte ses propres angoisses. Hein, quand on se dit ah là là je sais pas, bah en fait ça stresse les gens qui travaillent pour nous, quoi. Alors que si on sait exactement où on va et qu'on dit non mais ça va bien se passer, bah en fait du coup l'acteur c'est un interprète, hein, c'est pas forcément un créatif, c'est un interprète, donc il va exécuter en se disant bon bah ça va, il sait où il va, si ça marche pas on changera et puis voilà, quoi. Mais parfois tu sais pas, et quand tu sais pas tu fais comment? Bah quand je sais pas j'essaye. Hein, quand je sais pas, je dis bah essaye comme ça et puis on voit ce que ça donne, hein, plutôt que de passer 3 heures à en discuter. Bah essayons quelque chose, ok, ça marche pas, bon bah essayons autre chose, ok. Moi je pense que le un créateur, sa qualité principale qu'il doit avoir, c'est l'objectivité. C'est-à-dire, c'est d'être capable de dire sur son travail, que ce soit un auteur, un sculpteur, enfin n'importe quel créateur, d'être capable de dire ok. Donc j'ai fini mon truc, je prends un peu de recul, je vois l'ensemble, ça c'est bien, et j'ai envie de le garder, ça c'est moins bien, comment est-ce que je fais pour que ce soit mieux? À partir du moment où il a cette objectivité-là, bah, il peut caler de l'avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est un truc, s'il se fie uniquement à son instinct, et qu'il dit je sais pas pourquoi je veux garder ça, mais je veux le garder, parce qu'en fait c'est pas personnel en fait, ça devient trop personnel, et justement ça devient... C'est moins honnête que de constater et de dire bon très bien, ça je vois bien qu'il y a un problème, comment faire pour résoudre ce problème? Et à partir du moment où il est dans cette démarche là, bah, en fait au fur et à mesure les problèmes se résolvent. Quand on écrit un scénario, c'est exactement comme ça que ça se passe, on écrit un premier jet et puis ensuite on relit et on se dit bon là problème, comment trouver des solutions? Si on a cette honnêteté là, on ne peut faire qu'avancer. Là où ça coince, c'est quand on commence à y mettre de la mauvaise foi et à dire mais si c'est super alors que objectivement il y a quelque chose qui ne va pas. Puis dans un spectacle, bah, on le présente à un public. Donc quand il y a 10 personnes qui viennent vous dire ah c'est dommage ce moment-là, on peut se dire il y a peut-être un problème avec ce moment-là. Et quand il y a 10 personnes qui vous disent bah, c'est super cette scène, on se dit bon bah c'est bien cette scène elle fonctionne, quoi. Moi je monte mon travail très très tôt. Dans les répétitions, dès le début des répétitions, je fais venir des amis, même quand on n'a pas fini, et j'observe un peu, et je vois, et puis ensuite je vois s'ils rigolent à tel endroit, et si 2 personnes rigolent à un endroit, on peut être sûr que dans une salle de 700, ça va rire, quoi. Alors, et ensuite je leur demande, est-ce que tu as tout compris, est-ce que, voilà. Et puis quand je construis mes spectacles, quand je construis mes histoires, en fait, je raconte très vite à des gens. À tout le monde, à des amis, à tout ça, je leur raconte l'histoire et je regarde un peu si ça l'intéresse ou pas, ou quels endroits sont moins forts, quels endroits, et puis je tricote un peu à partir de là, quoi. D'accord. Et c'est pour ça aussi, peut-être pour cette prise de recul,
que tu ne joues pas dans tes pièces? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est... Bah oui, enfin, en tout cas, avant je jouais dans mes spectacles, et puis à partir du porteur d'histoire, comme c'était vraiment une création pure, je me suis dit bon, il faut que j'ai le recul. Et puis c'est aussi pour faire une mise en scène un peu plus ciselée, quoi. Quand on est dedans, forcément, on n'a pas le recul de la mise en scène, quoi. Quand on est à l'extérieur, on peut, ça peut être plus précis, quoi, plus chorégraphique. Okay. Alors, on en est où? Parce qu'on a tout fait dans le désordre. Pour nous, c'est parfait. Ça va, tout le monde suit. Alors, ça, on l'a fait. Je suis désolée, je suis perdue. On était là. Le cercle des hygiénistes. Clac. Ok, ouais. Oui, j'en ai une. Ouais. T'en as une? Ouais. Okay. Le mot innovation. Le diable, c'est l'ennui, Peter Brook. C'est marrant, ouais. Ça. Hein. Bah, oui. J'ai écrit ouais, je l'avais écrite, je voulais la dire. C'est marrant, ça. Mais bon, allez-y, reprenons. Donc, c'était Peter Brook. Le mot innovation, il est souvent associé au mot digital. Est-ce que toi ça te parle, le digital? Est-ce que tu communiques d'une certaine façon sur tes spectacles? Ouais, ouais. Est-ce que tu communiques toi? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le font à ta place? Non, oui, oui, oui. Enfin, mais bon, après, c'est pas la base du théâtre, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas le digital, c'est pas ce qui va révolutionner le théâtre, quoi. Alors oui, certes, c'est plus facile pour réserver sa place en trois clics, mais non, oui, bien sûr, les réseaux sociaux aident à tout ça, mais c'est pas, enfin oui, c'est comme avant, si vous voulez, oui. Et c'est toi qui t'en occupes directement? Non, bien sûr, non. Non, non, maintenant on a de la com, on a tout ça, des affiches, des machins, des trucs sur internet, Facebook, Instagram, tout ça, mais bon, encore une fois, c'est pas ça qui fait le succès d'une pièce, quoi. Concrètement, un spectacle, s'il est bon, les gens viendront le voir. Et encore une fois, à Avignon, sans appli, sans machin, les gens, ils arrivent au festival et ils disent « Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ?» Et puis, ils demandent autour d'eux. Et puis, les gens disent « Ah, j'ai vu un truc super !» Et ça fonctionne comme ça, quoi. Donc, le digital, c'est juste l'extension de ce bouche-à-oreille, en fait. Donc, en réalité, ça peut être mis au service d'un spectacle pour la promotion. Mais c'est le spectacle qui fera sa propre pub, quoi. Voilà. Je m'attendais un peu à une réponse comme ça. Ouais. Mmh. Moi, j'ai une autre question, c'est que pour moi, vous êtes également multi-support et multi-tâche, c'est-à-dire que vous êtes théâtre, les planches, hein, mais on voit aussi la télévision, bientôt le cinéma. Tout ça, c'est des écosystèmes sensiblement différents, c'est également des jeux d'acteurs d'influence sensiblement différents. Comment est-ce que vous avez réussi à percer et à comprendre et à décoder, au fond, ces différents écosystèmes et à vous imposer, au fond, puisque vous réussissez... Bah, je pense que c'est différent, mais que c'est quand même très complémentaire, quoi. C'est-à-dire qu'entre le cinéma, le théâtre et la télé, il y a quand même vraiment des passerelles évidentes, quoi. C'est des histoires qui sont racontées. Mais il n'y en a pas tant que ça qui réussissent à passer de l'un à l'autre. Oui, mais bon, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément envie, hein. C'est-à-dire que, oui, c'est facile de dire oui, mais vous savez, en France, on met les gens dans des cases, mais c'est parce qu'aussi, il y a un moment où on est très bien là où on est, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est... aller s'attaquer à un secteur qui est encore un autre secteur, bah c'est juste de l'énergie, quoi. C'est juste de l'énergie et de la volonté et du travail. C'est-à-dire que de la même manière que avant de monter des spectacles, j'aurais pu juste faire de comédien, en fait. Ça aurait été moins d'énergie que d'aller créer des spectacles. Et une fois que les spectacles ont commencé à fonctionner, j'aurais pu juste continuer à faire des adaptations de classiques, en fait. Ça aurait été moins compliqué que de recréer à chaque fois des histoires. Et une fois que j'ai commencé à faire des spectacles comme Le Porteur, comme Le Cercle, j'aurais pu me contenter de faire des spectacles et point. Ou j'aurais pu juste me contenter de les écrire et d'avoir quelqu'un qui les met en scène. Et donc comme ça. Et pareil, j'aurais pu me dire bon, ça va, je vais pas aller faire du cinéma en plus. Oh là là, la galère, je connais rien à ce monde. Mais au contraire, je pense que c'est parce que c'est une volonté d'aller vers les autres. En tout cas, d'aller vers l'inconnu, d'aller faire des choses complémentaires qui ne peuvent que nous nourrir. Encore une fois, je pense que ça vient aussi d'une culture multiple, hein, d'un truc où on se dit bah, ce qui est intéressant, c'est l'étranger, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on n'a pas abordé, parce qu'on se remet en question, en fait, parce que l'artiste a besoin d'être remis en question en permanence. Et puis, c'est aussi confortable une fois qu'on arrive à avoir tous ces modules, parce que on est soumis beaucoup à l'échec, au rejet, à la difficulté de... Et donc, quand on a un seul truc et que ça s'effondre,
ben on n'a rien d'autre. Alors que quand on a plusieurs activités et qu'il y en a une qui patine, et ben peut-être qu'on peut se dire bon bah c'est pas grave, je vais aller faire cette série là pendant 3 mois, ça va me changer les idées, ça va être super, et je vais juste faire l'acteur et ça va m'aérer l'esprit, et puis peut-être que je trouverai le moyen de revenir à ce projet qui s'est cassé la gueule. Donc c'est de faire plusieurs choses, ça permet aussi d'enlever du stress, d'enlever de l'angoisse, d'enlever de la pression, puisqu'on met pas tous ses œufs dans le même panier, quoi. Et alors, vous l'avez évoqué, hein, c'est un peu la troisième facette de votre personnage. Vous êtes également acteur-comédien. Vous avez, même si maintenant, comme vous le disiez, vous avez sans doute un peu réduit la toilure sur les interventions que vous faites, mais c'est vrai qu'on vous a vu dans Kabul Kitchen, on vous a vu dans Versailles, moi je vous ai vu récemment à la télé. Donc aujourd'hui, comment vous considérez ça ? Est-ce que c'est pour vous un moyen déstressant là, aussi pour vous occuper ou sortir un petit peu de votre bulle ? Un petit peu, ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ces trois types de plaisirs. On demande souvent qu'est-ce que je préfère entre écrire, jouer, mettre en scène. C'est des plaisirs différents. L'acteur, c'est un plaisir immédiat. C'est un plaisir, on est l'instrument. Donc quand on joue, on est content. L'écriture, c'est un plaisir en différé. C'est-à-dire que un peu solitaire ou... Solitaire, et quand on écrit, en fait, on ne prend pas de plaisir. On prend du plaisir à la fin de la journée. Du plaisir à la fin de la journée quand c'est sorti et qu'on se relie et qu'on dit eh ben j'ai bien fait de faire ça. Donc c'est un plaisir, on va récolter les fruits une fois que c'est écrit, une fois que les gens le lisent et qu'ils disent ah, j'ai lu ce que tu as écrit. Donc on n'est pas dans le travail à ce moment-là. Acteur, on est en plein dedans. Et metteur en scène, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir dans la mise en scène, dans le travail d'équipe, hein, et puis il y a du plaisir aussi a posteriori quand les gens vont voir ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est trois plaisirs très différents. Et vous êtes à la recherche du plaisir, donc ? Bah, comme tout le monde, c'est quand même agréable. Non, mais je veux dire, la base, c'est de faire un métier qu'on aime, déjà. Et de se faire plaisir. Chose. Oui, bah, c'est ça, le plaisir, c'est ce qu'on aime, quoi. Avec différentes temporalités dans le plaisir. Et c'est un sujet qu'on retrouve également dans le management, et c'est un sujet qu'on essaye, effectivement, de donner envie, se faire plaisir. Autant de notions qui apparaissent, et sur lesquelles on a travaillé aujourd'hui. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir cet avis-là aussi. Je crois qu'on a le droit de rester dans la salle jusqu'à 40, 45. Merci. Donc peut-être qu'on peut faire... Poser des questions avec les gens. Exactement. On peut faire ça. Moi, alors, oh là là, il y en a plein. Ben, en fait, je vais descendre très pour bien. Vous apporter un micro. En attendant, je vais vous parler d'autre chose. Eh ben, donc voilà, vous pouvez retrouver mes spectacles ça y est. Au théâtre du Palais Royal, tous les soirs. Bonjour. Oui, monsieur, bonjour. J'ai une question qui va intéresser tout le monde. En quoi le théâtre est-il inspirateur du management ? Le théâtre est-il l'inspirateur du management ? Oui. C'est-à-dire, c'est l'intitulé du truc ? C'est ça. Bah, non, mais je pense que concrètement, c'était plus histoire de faire un parallèle sur l'expérience de chef d'équipe. Je pense parce que c'est du management de monter un projet, quoi qu'il soit. Le théâtre, c'est un projet, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui un jour dit à des gens « Venez avec moi, on va faire des trucs sur un plateau de théâtre et ça va donner un tout. Et en fait, une fois qu'on aura fini, ça trouvera son sens. » Donc il faut être un peu fou pour suivre cette personne-là dans son univers, alors que déjà tout a déjà été fait en fait. Tout a été écrit, tout a été monté, tout a été joué. Donc voilà, donc c'est quoi, pourquoi le théâtre comme inspirateur du management ? Je pense que c'est surtout l'expérience du créateur, du metteur en scène, parce que le metteur en scène, c'est un manager. Le rôle du metteur en scène, c'est quelqu'un qui prend divers talents et qui les met au service de quelque chose, donc au service du théâtre en fait, au service d'un spectacle. Et donc il se retrouve... en tant que metteur en scène, confronté à plein de situations auxquelles va se retrouver confronté un manager, puisque en fait il est chef d'équipe, donc il va devoir gérer les égos des gens, il va devoir, ce que je le disais tout à l'heure, faire le casting, donc choisir les personnes qui vont composer son équipe, il va devoir gérer les problématiques, il va devoir les conflits au sein d'une équipe, etc. Ça c'est vraiment le rôle du metteur en scène, quoi. Donc c'est je ne sais pas si c'est un manager, mais en tout cas, ça s'y retrouve, quoi. Bon, voilà. Après, moi, j'ai été invité. Hein, j'ai pas... Je gagne rien, là. Hein. Je confirme. Oui, bonjour. Bonjour.
Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur au campus de l'innovation managériale. Vous nous avez parlé de forme de management, vous nous avez parlé effectivement du manager exemplaire. Quand vous nous parlez de la manière dont vous mettez en scène, on voit un brin de directivité dans la manière dont vous managez. On parle aujourd'hui beaucoup de management libéré. Ça serait quoi pour vous, le management libéré? Est-ce que vous pourriez envisager une co-construction? Qu'est-ce que c'était juste avant le co-développement avec vos partenaires de jeu et des équipes autonomes et des équipes autonomes. Alors, et finalement, l'Alexis Michalik libéré, ça serait quoi? Ouais. Ça s'appelle une création collective au théâtre. Ça existe, hein, évidemment. C'est un truc avec des acteurs qui participent à l'élaboration de cette histoire. Moi, je pense que... Enfin, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'il faut un leader. Il faut quelqu'un qui suive son idée et qui amène ça. Après, ça existe. Hein, ça existe vraiment. Beaucoup de gens essayent ça. Et moi, j'essaye de faire collaborer au maximum mes acteurs. Je vais vous donner un exemple. Mais tout en gardant à l'esprit que c'est assez précis dans ma tête l'histoire que je veux raconter. Et donc, ce n'est pas une création collective. C'est vraiment mon histoire, et je vais utiliser toutes ces énergies et toutes ces propositions et les canaliser pour arriver à raconter mon histoire. Le dernier spectacle que j'ai fait, qui s'appelle Intramuros, je l'ai créé en faisant de l'écriture au plateau. C'est-à-dire que j'ai raconté l'histoire à mes acteurs, plutôt que de l'écrire, en fait. Je leur racontais ce qui allait se passer, voilà comment ça commence, voilà comment ça se termine, voilà ce que tu vas jouer, voilà les rôles que tu vas jouer à tel endroit et tel endroit. Et puis ensuite, quand on a commencé à répéter, moi j'avais écrit les scènes de manière comme un synopsis, c'est-à-dire sans dialoguer complètement, et parfois des bribes de dialogue, un monologue par-ci par-là, des trucs, des informations que je voulais vraiment, que je tenais qu'elles y soient. Et ensuite, quand on a commencé à travailler, et moi, les acteurs que j'ai choisis, c'était des bons improvisateurs. J'ai fait des auditions dans ce sens-là et j'ai pris des acteurs qui étaient très bons improvisateurs. Et on attaquait la scène en disant, on sait la situation, on sait ce qui se passe, on sait ce qui doit se passer dans cette scène et quels sont les personnages. On a créé d'abord les personnages avec les acteurs. Et ensuite, maintenant, allez-y, proposer. Et donc, ils commençaient à faire cette scène en improvisant, en fait. Mais attention, ils improvisaient pas en partant complètement ailleurs de l'histoire. Ils savaient le sens où ils allaient. Simplement, c'était leurs mots qui allaient sortir, c'était leur dialogue, c'était leur façon de parler qui allait sortir. Et donc, moi, à quoi ça sert? Ça sert à ce que je puisse créer une scène, non pas en étant assujetti à un texte que j'ai déjà écrit, mais en partant d'une mise en scène, d'une mise en situation, d'une mise en espace. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est là dans l'espace? Qu'est-ce qui est le plus logique pour traduire cette situation? Et c'est que tu viennes de là, c'est que là il y a une table, là, qui est ceci et quoi. Donc je partais d'une mise en scène et puis ils amenaient leurs mots et puis la scène se construisait comme ça. Moi, c'était pas évidemment d'un coup, hein. Ils commençaient, puis je dis non, reprends, puis il recommence, puis il dit bonjour, je dis ah non, dis pas bonjour, faut pas que tu dises bonjour, faut que tu lui parles pas, tu vois, toi dis-lui quelque chose, tac tac tac, et puis petit à petit ça construit en fait des dialogues. Bon, parfois ça va très vite parce que c'est fluide, et puis parfois ça coince un peu, mais c'est pas grave, on va au bout du truc et on a un espèce de squelette de dialogue. Et donc la scène est créée avec la mise en scène que j'imagine, hein, ils ont des bases de mise en scène, et puis après on enregistre sur dictaphone, et puis on rentre, puis mon assistante en général retranscrit tout ça, elle m'envoie le résultat, et moi je repars de cette scène-là et je réécris par-dessus cette scène. C'est-à-dire que je coupe, je modifie, je rajoute, je mets une tournure un peu plus jolie, un peu plus intéressante, etc. Tac, 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 tac. Et donc le lendemain, il y a une scène. Et là, c'est la scène à partir de laquelle on va travailler et qui va être fixe. Donc c'est une sorte de forme collaborative, mais avec où je reste évidemment le parce que c'est l'histoire que je raconte en fait. Mon but n'est pas, c'est pas comme si j'étais en manque d'inspiration. Donc moi, je veux raconter cette histoire-là. Donc je veux qu'on m'aide. Que chaque acteur soit investi et que les dialogues en fait soient réalistes et vivants, et qu'on ait l'impression en voyant la pièce que c'est comme si c'était improvisé, mais en réalité c'est complètement dirigé. C'est ce qu'on appelle l'improvisation dirigée. Alors le côté création collective existe complètement, hein, mais le problème des créations collectives, c'est que y a un moment où on a du mal à s'y retrouver parce que c'est plein de voix qui collaborent à un truc et c'est un peu cacophonique en fait, puisque en sortant on a entendu plein de choses, mais c'est un peu comme si on rentre dans une pièce et que tout le monde est en train de parler en même temps.
on a entendu des choses, hein, mais on voit pas trop ce que ça veut dire en fait. Voilà. Donc moi personnellement, comme je suis un raconteur d'histoire, je raconte mon histoire avec divers moyens. Parfois c'est complètement écrit à la table, comme Edmond. Parfois c'est en utilisant de l'écriture au plateau, comme Intramuros. Parfois c'est un peu des deux, comme le porteur d'histoire. Et puis, mais la finalité, je pense que comme le Théâtre du Soleil, par exemple, Ariane Nouchkine, bah, le Théâtre du Soleil, c'est Ariane Nouchkine. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un maître d'œuvre qui dit, bah, voilà, on va proposer plein de choses, mais au final, on va aller dans ce sens-là. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais... Oui, ça fait sens. Moi, j'ai une question en lien avec ce que vous venez de dire. Comment le modèle de création du théâtre peut-il être appliqué à l'entreprise et influencer les entreprises d'aujourd'hui ? Ben, bon déjà, le théâtre, c'est quelque chose qui est à taille humaine. C'est-à-dire que dans une pièce, on prend une pièce comme Edmond, qui est une grosse pièce avec plein de monde. Si on prend l'ensemble des gens qui ont travaillé sur Edmond à la création, y compris le personnel du théâtre, etc., il y a 50 personnes, max. Et puis pour des pièces plus modestes, on peut passer à 10, voire 5 personnes sur une pièce. Donc c'est une entreprise à taille humaine, en fait. Voilà, le metteur en scène, il connaît personnellement tous les gens qui travaillent sur ce spectacle. Et en l'occurrence, les rapports sont plus simples. Évidemment, ce n'est pas un énorme truc tentaculaire auquel le N plus 10 ne connaît pas du tout. Enfin, je ne sais pas comment utiliser les termes corrects de l'entreprise, mais voilà, on s'est compris. Et donc, comment est-ce que la question, c'était comment est-ce que le théâtre peut influencer le management, c'est ça, un truc comme ça ? Inspirer le... Ah oui, c'est ça. Ben, il y a plein de choses qu'on fait au théâtre qui peuvent complètement inspirer le management. Il y a plein de mises en situation qu'on fait. Moi, par exemple, un exercice que je fais au début, c'est ce que font les gens qui font du théâtre entreprise, bien sûr. C'est des exercices de mise en situation. Donc, par exemple, quand j'attaque et que j'attaque avec un groupe qui ne se connaît pas, forcément, je commence par faire un exercice où je dis bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir la personne dans la salle que vous connaissez le moins. Et vous allez passer 10 minutes à apprendre le maximum de choses de cette personne. Et puis au bout de 10 minutes, tout le monde se rassemble et puis on dit, bon voilà, j'appelle deux personnes. Donc chacun s'est mis en duo, quoi. Et je les assieds l'un à côté de l'autre et je leur dis, ben voilà, en fait, maintenant, à partir de maintenant, on va vous poser des questions et vous allez répondre en étant l'autre. Donc vous êtes le voisin, quoi. Et donc la personne commence à répondre. Donc d'abord, il commence à imiter un peu et puis il commence à essayer de se souvenir des trucs. Et je dis, non, ce qui compte, ce n'est pas tant le souvenir de ce que vous avez appris. Ce qui compte, c'est ce que vous avez perçu de l'autre, c'est-à-dire sa manière d'être, c'est-à-dire sa façon d'être, c'est-à-dire sa façon de machin. Bon, voilà. Donc c'est un truc qui, évidemment, rompt la glace parce qu'on pose des questions directement à quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément fait. Et puis ensuite, pour le théâtre, ça aide à aller tout de suite à l'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à observer, on cherche à comprendre et on cherche à former une équipe, quoi. Bon, voilà. Ce genre d'exercices peuvent être adaptés au management, j'imagine, ça ou un milliard d'autres, ne serait-ce que pour donner l'impression de former un groupe. Parce que je pense qu'au final, il y a plusieurs raisons au succès d'une entreprise théâtrale. La première raison, on a parlé, c'est l'histoire. Donc c'est l'idée, c'est la créativité. Si on applique ça à une entreprise ou à un groupe ou quoi que ce soit, c'est le but, quoi. La vision. La vision. Donc voilà, parfois ça va être une vision géniale et donc ça va être plus facile évidemment d'aller au bout. Parfois ça va être une vision un peu plus traditionnelle. Voilà. La deuxième chose, c'est le casting. Donc le casting théâtral, c'est choisir une équipe qui va être la meilleure au service de cette vision. Et ça ne sous-entend pas forcément choisir des stars, ça sous-entend choisir l'équipe qui va être le plus susceptible de travailler bien ensemble. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel pour mener à bien un projet. Et enfin, ça va être en fait le management sur la durée. Donc ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que cette équipe et envie non seulement de jouer cette histoire tous les soirs, mais en plus de vraiment la jouer à 200%, quoi. C'est-à-dire qu'elle se sente traversée par l'envie de porter cette histoire et qui n'est pas seulement l'envie de gagner sa vie, en fait. Qu'elle soit touchée par cette vision et qu'elle se sente investie dans cette entreprise, en fait. Donc, clairement,
Enfin, c'est très proche, quoi, j'ai l'impression. C'est, au final, c'est que moi, mon but, c'est que, on parlait de plaisir aussi, c'est que mes acteurs soient contents d'être là, c'est qu'ils prennent plaisir à ce qu'ils ont à jouer, donc qu'ils se sentent investis d'une mission qui leur tient à cœur, et qu'ils ne viennent pas juste pour cachetonner, et qu'ils ne soient pas des propagateurs de mauvaises ondes. Et voilà, et le boulot du metteur en scène, c'est ça, c'est de faire perdurer cette équipe le plus longtemps possible. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... Bonjour. Oui. Bonjour, on est là pour parler d'innovation. J'ai eu la chance de voir vos 4 spectacles et j'avoue que chaque fois qu'on en voit un, on a envie de voir le suivant arriver très vite. On a l'impression que votre rythme d'innovation s'est accéléré. 2 ans, 2 ans, 2 ans, 1 an. C'est quoi le délai que vous estimez juste entre 2 créations? Et est-ce qu'à un moment, vous imaginez devoir prendre un peu de recul? Je ne le souhaite pas en tant que spectatrice, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête pour revenir justement recharger de créativité et d'inspiration? Oui, bien sûr. C'est une question que je vais essayer d'appliquer justement à pas que au théâtre. Alors déjà, pour répondre, la raison pour laquelle ça a été si court le délai entre les 2 dernières, c'est tout simplement parce que je m'étais engagé très en amont auprès de la directrice du Théâtre 13. Je lui avais dit qu'il était en travaux. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, pour la réouverture du théâtre, je te ferai une création. Or, les travaux, pour une fois, n'ont pas pris de retard. Et donc, je me suis retrouvé à devoir faire, 6 mois après Edmond, faire un autre spectacle, quoi, que j'avais en tiroir, mais que je n'avais pas forcément l'intention de faire si tôt. Moi, je pense que entre deux et trois ans, c'est un bon délai entre 2 spectacles. Ça laisse le temps, déjà au spectacle précédent, d'avoir bien joué, etc. Et puis, d'avoir eu l'idée qui a mûri. Et puis, voilà. Donc, parce que j'ai pas du tout ce truc de il faut que ce soit toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus grand. J'ai pas du tout ça. D'ailleurs, après Edmond qui était au Palais Royal, j'ai fait un truc beaucoup plus intime qui était intramuros, un peu plus proche du porteur, etc. Moi, je pense que voilà, j'ai pas cette espèce de truc phagocytant ou capitalisant. Au contraire, moi, mon but en tant qu'artiste, c'est d'être toujours stimulé et de me donner le recul nécessaire parfois à être aussi un peu désiré. Parce que là, j'en arrive un peu à une situation où, bah oui, tous mes spectacles jouent, mais du coup, si je reviens l'année prochaine avec un spectacle, il y a un moment où les gens font, bon, bah ça suffit, là, il faut laisser de la... Si, vraiment, je le sens déjà un peu sur intramuros. Donc il faut se laisser désirer. Et je pense que justement, Mnouchkine, elle faisait ça très très bien. Elle faisait un spectacle tous les 3 ans et c'était super. Parce qu'elle prenait vraiment le temps de réfléchir, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui peut complètement s'appliquer à une entreprise où le but n'est pas forcément de s'expandre, mais de prendre le temps de penser et de développer une idée vraiment novatrice ou intéressante autant que ça prend, quoi, dans un temps régulier. Mais je pense que c'est plutôt sain comme donc voilà. En tout cas, moi, là, pour l'instant, je suis en recul. Je vais faire un film, mais au niveau du théâtre, je suis pas pressé, quoi. Là, il y aura au moins 2 ans avant quoi que ce soit, quoi. Et pourtant, j'ai déjà une pièce dans la tête ou 2, hein, mais c'est pas le moment, quoi. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai vu Le Porteur d'Histoire et Edmond, j'ai adoré, donc merci pour ça. J'ai 2 questions à te poser. La première, c'est pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te drive, en fait? J'entends qu'il y a beaucoup la notion de partager une histoire. Je serais heureuse d'en savoir plus. Quoi? Déjà, on se tutoie, c'est cool. Okay. Moi, je qu'est-ce qui me drive? Ouais. Deuxième question. Quand tu construis une histoire ou que tu crées une histoire, qu'est-ce que tu as envie de partager, en fait? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans tes créations et que tu vas avoir envie d'offrir quand tu les proposes? Voilà. Alors, qu'est-ce qui me drive? Moi, j'ai eu envie de jouer. Au départ, je voulais être comédien, donc le plaisir immédiat dont on parlait. Ensuite, j'ai écrit très très jeune. Hein, mais j'écrivais pas du tout en me disant je vais être réalisateur ou écrivain ou quoi que ce soit. J'écrivais pour le plaisir de raconter des trucs. Parce que je me gavais d'histoire et que j'avais envie de transmettre. Et j'avais pas des retours phénoménaux. Hein. Donc voilà, donc j'écrivais pour le plaisir d'écrire. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai eu envie de monter des spectacles.
Donc ça, l'aventure humaine, c'est toujours, j'adore. Moi, je suis un chef d'équipe né. Quand j'avais 14 ans, j'étais prof de roller et de hockey et tout ça. Donc j'étais vraiment, j'adore être le chef d'équipe, quoi. Et puis après, bah, un peu par accident, il s'est trouvé que tout ça s'est rentré en collision et que j'ai commencé à écrire pour le théâtre, alors que je ne l'avais pas forcément prévu, et que ça a rencontré voilà, ce succès dont on a parlé. Et donc, évidemment, il y a un côté où bah, je me rends compte que ça a trouvé son public, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais en faire une deuxième et voir si ça continue à trouver son public. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient envie de voir ce spectacle. Donc, forcément, bah, j'ai envie de continuer à leur raconter des histoires, quoi, tout simplement. Donc, ça, c'est un peu ce qui me drive. Hein. Parce que, un, bah, ça fait bosser plein de comédiens et qui sont très contents. Deux, il y a plein de spectateurs qui viennent et ils sont très contents. Donc, je me dis que, bon, bah, peut-être que j'ai des choses à raconter et peut-être que ça intéresse quelqu'un ce que j'ai à raconter. Deuxièmement, pour la deuxième question, d'où ça vient, on va dire. Enfin, qu'est-ce que j'ai à attendre ? D'où ça vient ? Ça vient de plein de choses. Il y a trois cas de figure, je dirais. Le premier cas de figure, ça vient de quelque chose que je vais lire. Hein. Je suis tout le temps en train de turbiner un petit peu, de laisser un peu l'esprit ouvert. Voilà, je vais lire une anecdote et puis je vais dire, tiens, c'est marrant cette anecdote, je n'étais pas au courant. Et ça va planter une espèce de petite graine, comme par exemple, toi, tu as vu quoi, le porteur d'histoire, c'est ça ? Oui, Edmond. Edmond, j'ai lu l'anecdote de la première de Cyrano qui avait été triomphale, phénoménale, et vraiment au-delà de tout, il ne s'y attendait pas du tout, il croyait que ça allait être un bide, et tellement triomphale qu'entre l'acte 3 et l'acte 4, il y a un ministre qui vient le voir en coulisses et qui lui dit « Monsieur, en fait, voilà ma Légion d'honneur, et vous allez voir, la vraie viendra dans quelques jours », et c'est la première de la pièce. Hein. Et personne ne le connaissait avant, il avait fait que des bides, il avait 29 ans, et il s'est retrouvé propulsé en une nuit. Poète national, quoi. Donc c'était fou cette histoire. Donc ça plante une graine et puis après pendant des années ou des mois, eh ben, on construit une histoire autour de cette graine et ça devient quelque chose qui arrive à maturation et qui finalement bah, sort, quoi. Et quand c'est à maturation, quand j'ai ma fin, mon début, mon développement, je dis bon allez on y va. Ça c'est la première chose en lisant. Ça peut être sur internet, dans un blog, dans un truc. Enfin, voilà. La deuxième chose, c'est en l'entendant, donc en parlant aux gens. Souvent quand je rencontre des gens et qu'on discute un peu, je vais très vite leur poser les questions qui vont me faire trouver l'histoire qui est intéressante chez eux. Quand je rencontre des gens qui ont un certain âge, je vais les faire parler très vite de leur jeunesse, de machin, de tel machin. Et puis, il y a toujours un moment où je sens que ah, là, ça touche un point sensible ou ça touche quelque chose. Et puis, c'est là que c'est intéressant et que ça va m'intéresser d'avoir le développement de cette histoire. Donc, je vais toujours chercher chez les gens quelque chose qui va m'inspirer. Et enfin, finalement, c'est parfois quelque chose qui m'arrive, tout simplement, et où je me dis, ah, ça... Donc voilà, la dernière, intramuros, eh ben, en fait, je suis allé en prison, en centrale, parce que j'avais braqué une banque. Non, parce que j'avais gagné un prix pour un court-métrage, et donc j'ai rencontré des détenus, et rien que le fait d'arriver jusqu'à là, de passer les portes qui s'ouvraient, les grilles, tout ça, et d'arriver dans une petite salle et discuter avec des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, c'était tellement fou que je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais raconter en partant de cette situation ? Et donc, je me suis dit, ah, pourquoi pas un cours de théâtre avec ces gens-là ? Et il y avait des anecdotes que plusieurs m'avaient racontées ce jour-là qui sont dans la pièce. À un moment, je leur ai dit, mais vous n'avez pas eu des cours de... ils avaient plusieurs activités, vous n'avez pas eu des cours de théâtre ? Et il m'a dit, si, il y a eu un cours de théâtre l'année dernière, mais j'étais le seul à y aller. Donc du coup, ils ont annulé le cours, quoi. Donc je me suis dit, ah, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait que deux détenus qui se présentaient et qui décidaient quand même de faire le cours. Donc c'est le début du spectacle. Et à un moment, je leur dis, mais vous êtes là depuis combien de temps ? Longtemps. Et on avait parlé de plein de choses, de cinéma, parce qu'ils ont plein de temps, donc ils regardent plein de films. Et il y a un jeune qui me dit, bah, moi, ça fait pas longtemps, ça fait 8 ans. Déjà, je fais OK. Puis il se retourne vers un mec qui avait une cinquantaine d'années, qui était brillant, on avait parlé de plein de trucs de cinéma. Il dit, bah, lui, ça fait... Et l'autre lui fait, bah, 14. Et le jeune fait, bah, non, 28. Et le mec fait « Ah oui, oui, parce que bon, en fait, je suis resté 14 ans, je suis sorti quelques mois et je suis là depuis 14 ans. » Et là, je me suis dit que le mec est là depuis 28 ans, quoi. Il a passé plus de temps en prison que dehors. Et tout ça, c'est dans ma pièce, quoi. Voilà. Pamela, tu voulais poser une dernière question, peut-être ? La toute dernière, parce que je crois qu'on arrive vraiment au bout. Est-ce qu'on peut avoir un micro ? Micro. Il y a d'autres questions. C'est trop tard. Moi, j'avais une question. Bonjour, merci.
Moi, j'ai adoré Le Porteur d'Histoire. Merci. Donc, vous n'avez que des fans ici. J'avais une question sur l'engagement et le récit. On parle beaucoup du désengagement des collaborateurs. On le déplore ou on déplore sa capacité à les engager. Qu'est-ce qui fait une belle histoire dans un monde d'entreprise où on a beaucoup de PowerPoint qui racontent 4 valeurs et 3 priorités? Qu'est-ce qui donne du souffle et l'envie de rejoindre l'aventure? C'est une question intéressante, primordiale, je pense. Mais je pense que justement, c'est une question à laquelle chaque entreprise peut répondre avec les caractéristiques qui lui sont propres. Et de la même manière que je disais tout à l'heure, quand je rencontre quelqu'un, je lui pose les questions qui vont à l'essentiel, en fait. C'est-à-dire, j'arrive à trouver qu'est-ce qui fait que cette personne a une histoire à me raconter. Et parfois, ça, par exemple, je me souviens que j'avais rencontré une fille... et on parlait de plein de choses, et puis elle me racontait, je ne sais plus comment on en arrivait à parler de ça, mais elle me racontait qu'elle était partie en voyage humanitaire, avec son ex, et au départ ils étaient ensemble encore, et qu'en fait, et en creusant, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Et en fait elle me raconte que on était ensemble, et puis en fait on s'est séparés en arrivant là-bas, donc je dis mince alors. Et je dis, mais vous aviez déjà pris les billets, tout ça. Elle me dit, un mois après, on est rentrés ensemble dans le même avion, quoi. Et je dis, ah ouais, mince. Elle me dit, oui. Et en plus, on avait pris les avions les moins chers. Donc, c'était des charters qui nous faisaient genre 4 ou 5 trucs. Mais ils sont allés partout, quoi, à Bogota, machin. Puis ils descendaient au Chili, puis ils remontaient. Et pendant 3 jours, ils ont voyagé ensemble alors qu'ils se détestaient. Et ils avaient réservé les hôtels, les machins. Enfin, tout était réservé, ils n'avaient pas de sous. Donc, je me suis dit, mais ça ferait un super film. Une comédie ou un drame. Mais là, j'ai trouvé, c'était parfait, quoi. Ça pourrait bien se finir aussi. Ça peut bien se finir. Ça dépend si c'est une comédie ou un drame. Mais là, je pense que pour chaque entreprise, c'est le même travail. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie de défendre cette entreprise et pas une autre ? Quels sont les éléments dans cette entreprise qui font que nous, on est humainement connectés, qui nous touchent de la même manière que quand je vais lire une histoire et que je vais avoir envie de m'en emparer, c'est tout simplement parce que ça me touche. Le premier court-métrage que j'ai réalisé, c'était une histoire qui était racontée sur un blog, un témoignage d'une passagère qui était partie en avion et en fait, elle amène son bébé. Et elle n'a pas les papiers du bébé, et donc on lui refuse l'accès parce qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas le livret de famille. Donc elle retourne le chercher, elle doit prendre un autre vol. En plus, elle va à l'enterrement de sa tante ou un truc comme ça, donc elle est vraiment à vivre. Son mari part avec le premier vol, elle revient avec les papiers, et puis là on lui dit « Bah non, désolé, vous êtes en surbooking, il n'y a plus de place ». Et donc, elle est complètement désemparée. Et là, une petite hôtesse va venir et va commencer à l'aider. Et raconte juste les 20 minutes où l'hôtesse, elle a commencé à l'aider, à la porter, à l'amener jusqu'à l'avion. Et elle a fini par la mettre dans l'avion. Et en racontant ce truc, moi, j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, mais si moi, j'ai les larmes aux yeux en entendant ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir les larmes aux yeux en entendant cette histoire racontée d'une manière fictionnelle et intéressante. Et c'est pareil, quand on pense à qu'est-ce que c'est la vision de cette entreprise, le but de cette entreprise, il faut poser ces questions-là et trouver en fait ce qui fait qu'on peut être humainement connecté à cette entreprise, je pense. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle juste qu'il y a encore une conférence à 17h dans le Dôme. Qui a une retransmission ici aussi, ça s'appelle Transhumanisme, quels enjeux pour le management de demain? Je vous invite à y aller. Et apparemment, personne n'est au courant, mais à 18h, il y a un cocktail pour ceux qui veulent boire un verre. Merci.